Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors voilà, j'ai été interpellé à plusieurs reprises par des copains qui s'inquiétaient du dépérissement très rapide de leur buis. Aussi, j'ai décidé de proposer un point sur ce problème phytosanitaire à travers une petite vidéo qui, je l'espère, vous apportera quelques réponses si vous êtes vous-même concerné. Alors, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que le dépérissement du buis peut avoir plusieurs origines. Si le buis doit faire face à plusieurs ennemis, nous en verrons quelques-uns ici, il est fort possible aussi qu'il soit mal cultivé et souffre de certains problèmes d'origine non biotique, comme par exemple un excès d'eau permanent dans le sol. Quelques points à vérifier en premier lieu. L'origine des végétaux et leur cultivar éventuel, et bien entendu l'absence de symptômes lors de l'achat. Le pH du sol neutre, aux environs de 7, un sol suffisamment drainant, et des pratiques culturales adaptées que nous développerons un peu plus loin. Une fois que vous aurez écarté les troubles d'origine strictement physiologique, vous pourrez envisager qu'un bio-agresseur soit responsable de l'état de vos buis. Dans ce cas, il faut envisager deux grandes causes fréquemment rencontrées depuis quelques années. L'une est un champignon, ou plutôt un groupe de champignons. L'autre est un papillon de nuit, dont la chenille est particulièrement vorace. Ces problèmes se rejoignent puisque la chenille provoque des portes d'entrée naturelles pour le champignon, dans les buis qu'elle attaque. Le problème lié aux champignons, on parle alors de maladie cryptogamique, est causé par trois espèces de champignons qui portent les noms poétiques de Cylindrocladium buxicola, Volutella buxi et dans une moindre mesure Fusarium buxicola qui est moins documenté. Cylindrocladium buxicola est apparu en Europe donc à la fin des années 90, il a une forte capacité de dissémination et supporte largement le spectre climatique rencontré en France. Ces spores se conservent jusqu'à 4 ans dans le sol et il faut donc réfléchir avant de remplacer les buis atteints par d'autres buis. Il est préoccupant d'avril à octobre, mais son développement s'arrête au-dessus de 30 degrés. Donc les risques sont amoindris en cas de canicule par exemple. Le champignon a besoin d'un film d'eau à la surface de la feuille, présent pendant 5 à 7 heures pour que l'infection ait lieu. Il attaque les feuilles et les tiges du buis. Des taches claires entourées de brun rougeâtre se forment sur les jeunes feuilles. Des taches plus foncées se forment sur les feuilles les plus âgées. Les feuilles finissent par se dessécher complètement et tombent. Sur les tiges malades, des stries longitudinales de couleur brun foncé à noir se forment sur l'écorce. De fortes attaques peuvent causer le dépérissement des rameaux. Attention, la vivace couvre-sol Pachycendra terminalis, bien connue, peut également héberger ce champignon, à éviter donc en proximité des buis. Volutella buxi risque plutôt d'apparaître après un stress important, provoqué par des conditions climatiques extrêmes ou une taille trop sévère. Les attaques de Volutella buxi sont plutôt centrées sur les jeunes feuilles à l'extrémité des rameaux. Des taches marron apparaissent sur les feuilles qui se dessèchent et deviennent blanches et transparentes comme du papier de soie. Les feuilles restent assez longtemps accrochées sur les rameaux avant de chuter sur le sol. Des chancres apparaissent sur les tiges avec le plus souvent un décollement de l'écorce et une coloration noire du bois au niveau de la lésion. Ce que je vais dire là n'engage que moi, mais je pense que la manière dont sont produits ces buis dans les pépinières du sud de l'Europe accentue gravement le problème. Ces buis sont produits par bouturage, en très grande quantité. Ce sont donc des clones, qui partagent une grande partie de leur patrimoine génétique. Ils partagent également, en toute logique, leur sensibilité à ces maladies. Les buis issus de semis que l'on rencontre dans la nature, avec une grande variabilité génétique, sont moins inquiétés par ces champignons. Alors, il y a quelques pratiques culturales à respecter pour limiter les problèmes. Ne pas planter trop serré, éviter les groupes monospécifiques, éviter de mouiller le feuillage lors de l'irrigation, évidemment. Éliminer les feuilles tombées au sol, naturellement ou suite à la taille. Éliminer également les parties touchées, éliminer les rameaux ou les plantes touchées et les incinérer. Tailler les haies d'arbustes en avril-mai, hors gel et sans pluie. Puis éventuellement en août pour favoriser une cicatrisation optimale des plaies de coupe. La cicatrisation s'effectuant grâce à l'afflux de sève élaborée. Désinfecter les outils de taille en les trempant dans de l'alcool avant de passer d'un arbuste à un autre. Évitez l'eau de javel qui risque de faire rouiller la lame de votre sécateur. Les fongicides de synthèse donnent des résultats contestables. Par ailleurs, des solutions biologiques basées sur des champignons
et des bactéries semblent donner des résultats prometteurs en laboratoire, notamment contre Volutella buxi. Alors, quelle espèce utiliser? Le buis à bordure, très connu, Buxus sempervirensis fruticosa, et d'autres variétés sont absolument à éviter car très sensibles aux maladies que nous venons d'évoquer. A l'inverse, d'autres espèces sont à privilégier et semblent relativement résistantes. Voilà pour les champignons, parlons maintenant de la pyrale du buis. Les dégâts sont décelables à condition d'être très attentif dès le printemps. Elle commence par grignoter la surface des feuilles uniquement sur leur revers. À ce stade, elle est peu mobile. Elle va ensuite continuer avec la surface du dessus des feuilles. C'est là que l'on constate le dessèchement du feuillage de l'arbuste. La chenille grossit et va rapidement s'attaquer aux feuilles entières. On estime que chaque chenille va dévorer 45 feuilles de buis au cours de sa vie. Lorsque les chenilles ont dévasté le feuillage, elles vont s'attaquer à l'écorce. Le cycle commence en février-mars avec l'apparition de nouvelles chenilles qui sont en fait issues de nymphes qui ont passé l'hiver à l'abri du feuillage. Ces larves vont rapidement se développer, puis entrer en nymphose à leur tour pour une durée d'environ 3 semaines. En juin aura lieu le premier envol qui sera suivi très rapidement d'une ponte. 800 œufs en moyenne sont pondus par les femelles au revers des feuilles. 7 jours plus tard, les petites chenilles vont éclore. Ces chenilles vont se développer très vite et rentrer assez rapidement en nymphose pour produire à la fin de l'été une seconde génération volante. Ces nouveaux adultes produits en été auront le temps à leur tour de pondre. Les jeunes chenilles issues de cette dernière ponte vont se nourrir, entrer en nymphose à leur tour et passer l'hiver sous cette forme. Elles n'émergeront qu'au printemps suivant. Il faut pouvoir identifier la pyrale du buis à ses différents stades de développement. Les œufs se présentent sous la forme de plaques, de 5 à 30 œufs sphériques disposés comme des écailles. Ils sont plats et arrondis, d'un jaune translucide. Ils sont difficilement repérables sous les feuilles. Ils développent ensuite un point noir lorsque la tête de la larve est formée. Le corps de la chenille est vert clair, marqué de rayures blanches, vert sombre et jaune, des protubérances noires et quelques longs poils blancs, une tête noire, 6 pattes thoraciques, comme tous les insectes, et 10 fausses pattes abdominales. Elle passe de 3 mm au premier stade à 35 voire 40 mm au dernier stade. Au premier stade, elle est indétectable, restant sur l'envers de la feuille dont elle ronge la cuticule. C'est au deuxième stade qu'elle se déplace, commençant à tisser ses fils de soie. Elle est de plus en plus vorace et peut au dernier stade dévorer aussi bien l'écorce que le feuillage. La nymphe a un aspect assez proche de celui de la chenille. Elle est de teinte vert clair avec des bandes sombres alternant avec des bandes claires sur le dos, plus brune à la fin de sa nymphose. Elle fait 21 mm de long. On trouve les chrysalides dans un cocon lâche constitué de quelques fins rameaux rassemblés par des fils de soie. Elles sont parfois installées tête à l'envers, pendant au revers des feuilles. L'imago de la pyrale est un papillon le plus souvent blanc, aux ailes soulignées d'une bordure brune. Ses ailes sont irisées, montrant des reflets violets sur la partie blanche, dorés orangés sur les parties brunes. Une variante a cependant été remarquée, qui est totalement brune, hormis une tache discale blanche, nacrée, caractéristique présente sur les ailes antérieures. Mais cette forme est assez rare. Le papillon affiche une forme triangulaire et une envergure de 36 mm pour les plus petits, et jusqu'à 44 mm pour les individus les plus grands. Au repos durant le jour, le papillon est généralement caché dans les feuillages, mais il est très réactif et s'envole à la moindre alerte. Certaines précautions peuvent aider à la lutte contre la pyrale du buis de manière préventive, on parle alors de prophylaxie. Inspectez soigneusement chaque buis que vous achetez ou que vous récupérez. Installez des filets à insectes autour des arbustes durant les périodes à risque. Favorisez dans votre jardin l'implantation d'oiseaux prédateurs opportunistes tels que les mésanges ou les moineaux ou les chauves-souris. Les oiseaux pourront se régaler des chenilles, non toxiques pour les oisillons, tandis que les chauves-souris s'attaqueront aux adultes, dont elles partagent la vie nocturne. S'il faut traiter, il est conseillé de traiter aux différents stades du cycle de la pyrale du buis. Les chenilles peuvent être ôtées à la main, puisqu'elles ne sont pas urticantes, ou bien être délogées par des coups donnés sur le buis qui les feront tomber sur une bâche, préalablement étendue sur le sol par exemple. Elles seront ensuite détruites. On peut aussi utiliser un jet d'eau pour les éliminer, c'est rapide, efficace, si la pression est suffisante. On peut aussi exploiter l'attirance du papillon pour la lumière. Il s'agit de placer près des buis des bassines d'eau mélangées à du liquide vaisselle et de les éclairer la nuit. Les papillons sont attirés et s'y noient par centaines, ce qui est bien plus efficace que les pièges à phéromones.
Dès le mois de mars, un traitement à base de Bacillus thuringiensis peut être réalisé pour les hivernantes qui sortent de leur diapause, puis au mois de juin, 7 à 10 jours après leur premier vol, pour la seconde phase. Cette bactérie agit en libérant des toxines une fois qu'elle est ingérée par l'insecte, qui provoque un arrêt total de l'alimentation. S'ensuit la mort de la chenille. Voilà, donc après ce petit exposé sur la pyrale du buis, rien de tel qu'un cas pratique. Donc je retrouve ici Sam de l'entreprise Samtaille, donc de Marc-en-Barœul. Je vous laisserai les coordonnées de l'entreprise en question dans les descriptions de la vidéo. Donc Sam, ton activité ne se résume pas au traitement de la pyrale du buis, mais ça fait partie effectivement de ce que tu peux proposer à ta clientèle. Pour ça, il a fallu que tu te formes. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors effectivement, ce n'est pas l'activité principale. C'est une activité complémentaire à l'entreprise qui est plutôt spécialisée en élagage-abattage. Voilà. Moi-même, apiculteur passionné, j'étais dans tout ce qui était insectes. Et donc, il y a 2 ans, j'ai suivi une formation qui s'appelle le Certibiocide. Voilà, le Certibiocide. Okay. Qui est la formation à suivre après le Certiphyto. Oui, d'accord. Le Certiphyto est plus spécialisé sur du produit chimique, ouais, ouais. Alors que le Certibiocide va plus être sur une lutte biologique, voilà, de l'insecte et du nuisible. Mmh. Donc voilà, je l'ai faite il y a 2 ans suite à une augmentation de chenilles défoliatrices, de problèmes rencontrés dans les jardins, ouais, et une demande de la clientèle. Alors, au début, je me suis dit, je vais pas m'embêter, je vais aller acheter dans les grandes surfaces du produit. Mais après quelques recherches, je me suis rendu compte que, en ayant ce Certibiocide, on n'utilise pas du tout les mêmes produits. Ah, on n'a pas accès aux mêmes substances, d'accord. Complètement d'accord. Différent. C'est le même produit, ouais, qui est utilisé en biologique, ouais, hein, donc le, ouais, BT, le Bacillus, ouais, ouais, mais à complètement aux doses différentes entre la grande surface qui propose à tout le monde, ouais, et nous, habilités par l'État, par le ministère de l'Agriculture, de la Chasse et de l'Environnement, où là, on a accès à des produits beaucoup plus puissants. Voilà, d'accord. Parce que on a appris à les utiliser. Voilà, voilà. Donc voilà, clairement, sous condition d'être formé effectivement à la manipulation et puis au bon emploi dans les bonnes pratiques de ces produits-là, on peut prétendre avoir accès à des produits qui contiennent la même substance, en l'occurrence le fameux Bacillus thuringiensis dont on a parlé précédemment dans la vidéo, mais à des concentrations plus élevées. On imagine donc l'action n'est pas la même non plus finalement. Alors l'action n'est pas la même. Je crois de mémoire que mes bactéries sont 10 000 fois plus dosées que ce qu'on trouve en grande surface. Effectivement. Donc on comprend bien l'intérêt qu'on peut avoir à appeler quelqu'un comme ça, mais effectivement, par rapport à ce problème-là, le problème sera réglé d'autant plus efficacement. Déjà en phase de diagnostic, hein, j'ai fait le tour. Il y a pas mal de buis sur la propriété sur laquelle on se trouve. J'ai fait le tour avec Sam. Vous connaissez mon expérience de la question, hein. Je vais vous dire que les attaques, c'est Sam qui les a repérées très très vite, hein. Et effectivement, hein, on peut les localiser dans le bas de la plupart des buis qui nous entourent, là. Donc c'est un problème qui va être rapidement enrayé par ton intervention, quoi. Voilà. Donc moi, je m'occupe d'abord de faire tous les tours, de mouiller complètement le feuillage des buis, et ensuite je vais injecter à l'intérieur des buis, d'accord, en faisant attention à pas les abîmer, bien sûr, le produit. Voilà, mon feuillage est complètement humidifié et mouillé par le Bacillus. Donc maintenant, je peux planter mon pulvée et injecter en tournant le produit. Thank you.
Voilà, ces trois buis-là, ils sont traités. S'il y a la moindre chenille, d'ici 2 heures, voire au pire demain, il n'y a plus personne. Voilà, donc avec un traitement à cœur, effectivement, comme tu viens de nous montrer, voilà. La périphérie, puis ensuite l'intérieur, les chenilles, où qu'elles se trouvent, seront amenées fatalement à rencontrer le bacille. Hein. Voilà, ouais, ouais. Très bien, c'est parfait. Ici, j'ai environ une trentaine ou quarantaine de buis à traiter. Et en dose, là, 30 à 40 boules de buis qui vont de 60 cm à 80 cm de diamètre, je vais utiliser 10 litres d'eau. Donc, 10 grammes de produit. D'accord. Pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Donc dans des buis, ici on est sur un buis de pratiquement 1 mètre de diamètre, je vais injecter à l'intérieur sur plusieurs points pour être sûr qu'il y ait bien du produit partout. Hein? Mais l'essentiel c'est vraiment le feuillage extérieur, on le verra tout à l'heure sur les autres zones, on voit bien les attaques, cette année elles sont en bas, sur le côté, donc rien que déjà faire une pulvérisation sur le feuillage, on est pratiquement sûr de les avoir. Voilà, cette zone là, c'est bon. Le bacillus sur une Gen 6 fait quand même l'objet d'une préoccupation. L'association belge Natagora a reçu de nombreux témoignages de poussins de mésange retrouvés morts en 2019. Une centaine d'études ont été entreprises afin de déterminer si le bacille utilisé pour lutter contre la pyrale du buis est bien en cause. Il semblerait en effet que les oisillons résistent bien aux alcaloïdes du buis qui sont ensuite ingérés par les chenilles. L'empoisonnement par le buis directement est donc à écarter. Reste à voir si le bacille est oui ou non responsable de l'empoisonnement de ces oiseaux. Le traitement à base de trichogrammes s'effectue uniquement 7 à 10 jours après le premier vol d'une période. Les trichogrammes sont des micro-guêpes parasitoïdes qui pondent dans les œufs de la pyrale, leur progéniture se développant au détriment des larves du papillon. La première application se fera donc vers le mois de juin, la suivante entre la mi-juillet et la mi-août, puis, si besoin, vers le mois de septembre. Les diffuseurs sont actifs 2 semaines et couvrent donc toutes les pontes pendant ce laps de temps. L'efficacité de nématodes entomophages de l'espèce Sternernema carpocapsée, disponible commercialement, a été démontrée aussi en laboratoire. Les traitements peuvent se compléter les uns les autres, il n'y a pas de contre-indication. J'évoque tout de même rapidement les pièges à phéromones, qui en capturant les mâles reproducteurs limitent la fécondation des femelles et donc les pontes. Cette méthode est assez onéreuse, laborieuse à mettre en œuvre sur des surfaces importantes, et finalement, en tout cas dans le cas de la pyrale, affiche des résultats assez moyens. À ce stade, il me semble important de faire le point sur le rapport que j'entretiens avec les traitements, qu'ils soient bio ou non. Je pense que ma position par rapport à ça est assez claire. Il n'en demeure pas moins que dans certains contextes particuliers, je pense notamment aux vieux buis qui pourraient avoir une forte valeur patrimoniale, une lutte peut être envisagée. Surtout qu'il s'agit ici d'un ravageur d'origine exotique qui n'a pas encore trouvé de prédateurs en nombre suffisant sur notre territoire. Pour conclure, nous allons balayer quelques alternatives aux buis. Je commence par le Daxus baccata qui supporte très très bien la taille en taupière. Il s'agit ici d'un conifère. Ça fonctionne très bien, ça remplacera avantageusement les buis dans bien des contextes. Ilex crenata, qui est pas mal employé également en substitution du buis. Attention, préférez-le en jarre ou en pot. En pleine terre, il a tendance à se dépouiller un petit peu avec le temps. Le Leonimus japonicus microphyllus, qui est un fusain persistant à petites feuilles. Il peut lui aussi remplacer avantageusement le buis dans bien des contextes. Bien entendu, l'Elonicera arbustif, Pileata et Nitida, qui sont des chèvrefeuilles.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le buis et sur les menaces auxquelles il doit faire face. Je vous retrouve très bientôt au potager qui dit non.